Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous, c'est la loi des séries, on approche tout doucement de la fin de la saison et on avait envie de terminer cette saison comme on l'a fait très régulièrement cette année. Je dis on puisque Julia Gabriele et Nora Gondor sont à mes côtés, bonsoir mademoiselle. Bonsoir Alex. Et je disais on termine cette saison comme on l'a beaucoup fait en accueillant l'un des visages que vous aimez suivre tous les soirs dans vos feuilletons préférés, feuilletons quotidiens préférés. On l'a fait avec Plus Belle en début d'année, on l'a fait avec Un Si Grand Soleil, avec Ici Tout Commence, et ce soir, demain nous appartient, on peut le dire, puisque nous avons Luce Mouchel qui est avec nous, alias... Marianne Delcourt. Eh ben oui, Marianne Delcourt. Le personnage préféré de Nora. Des Français. Des Français. Ouais, exactement. Et il faut le dire, la France a besoin de le savoir. Comment ça va, Luce? Ma foi, ça va plutôt très très bien. Ça va plutôt très très bien. Regardons immédiatement cette immersion avec cette première photo pour regarder ce regard d'une intensité très folle. Regardez ce regard intense. Ah. C'est belle. Acteur studio, ah, magnifique, oui, magnifique Marianne Delcourt. J'avoue que, ouais, je suis assez, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Vous vous impressionnez toute seule quand même, hein. Bah ouais, c'est vrai, quand on se voit en photo, c'est pas forcément, oui. Non, non, puis c'est vrai que ça correspond tout à fait à une partie du personnage. À une partie du personnage. Elle est quand même multifacette, hein, et, ouais. Et là, son côté un peu concentratif, dur, très très sérieux aussi, pro... C'est tout à fait, voilà, dans vous, cette photo. Vous êtes Marianne Delcourt, la maman donc de Chloé Delcourt, gardée par Ingrid Chauvin. C'est dire qu'effectivement, vous êtes la famille principale de Demain nous appartient, en tout cas une des familles centrales. Mais enfin, c'est vrai qu'avec cette filiation avec Chloé, ça vous positionne dans une place très importante. Vous imaginez, en rejoignant Demain nous appartient, que 1500 épisodes plus tard et 7 ans, vous y seriez toujours ? Bah non, évidemment, d'autant que moi j'avais signé pour 6 mois en fait, oui. D'abord c'était 6 mois au départ et puis après on savait pas, puis de toute façon moi après je revenais au théâtre, j'avais un contrat signé aussi depuis longtemps, donc vraiment je m'attendais pas à ce que ça dure si longtemps. Après le fait est que ça passe tellement vite que quand vous me dites 7 ans, les bras m'en tombent, je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai commencé hier, mais bon, parce que ça passe vite, parce que c'est riche, c'est intense, voilà, on s'ennuie tellement pas, voilà, puis c'est un rythme assez effréné, donc on suit le mouvement, quoi. On suit le mouvement et il faut le suivre, parce que 1500 ouais. épisodes quand même. Hein, 1500 épisodes, ouais. Non, c'est vrai. On va approcher des 1500. Pourquoi tu aimes tant ce personnage ? Ah bah, pour plein de raisons quand même, mais Marianne Delcourt, c'est le personnage, alors j'aime beaucoup les autres, hein, mais le plus abouti, avec les dialogues les plus parfaits, avec cette dualité du personnage, et elle fait rire, en fait c'est la plus drôle de la série, qu'on le veuille ou non, c'est la plus drôle de la série, avec toujours, elle fait mouche, enfin vraiment, c'est un plaisir. Elle fait mouche, elle. Voilà, ah, j'avais pas fait exprès, pardon. Et excusez-moi, je suis désolée, c'est dommage. Je l'aurais pas faite, hein, perso. Hein, ouais, mais... et tant mieux, et tant mieux les filles. C'est pour ça que le sexe fort est... Voilà. Et nous. Voilà, c'est ça. Mais c'est, enfin, tu vois, c'est vraiment le personnage que tu as envie de suivre, qui donne du rythme à la série, qui est en fait très proche de Tessier dans ITC. C'est oui. vraiment le rigolo qui est censé être le plus dur. Parce ITC, que c'est Plus belle la vie, ça. Ici, non, tu commences. Non, je rigole, ça va. Elle me charrie parce que j'aime trop les séries quotidiennes, c'est pour ça. Et c'est pour moi, c'est ça le cœur de la série, parce qu'une série quotidienne, c'est des persos. Donc plus le perso ouais. va être fort et avec toutes ses facettes, plus c'est lui qui va rythmer ce cœur de la série, quoi. Et Marianne Delcourt, c'est ça. Le nombre d'intrigues, on va pas toutes les citer, mais qui vont de là à là, entre la chef de l'hôpital hyper dur, après sa relâche, son c'est quoi histoire ton d'amour. Préférée. C'est quand elle se fait violer. Non, pardon, c'est dit comme ça, c'est vrai. Ah non, mais il y a un violeur en série à Marseille. Vous vous faites violer par qui? Votre personnage se fait violer par qui? Et puis il lui met le couteau comme ça, et puis après la relation avec le père. Non, mais c'est cette intrigue, je pense que c'est une des meilleures intrigues de série quotidienne. Vous êtes du même. Pourtant, c'est pas là que j'ai déployé mon talent comique, on peut dire. Non, oui, alors non. Mais la sensibilité, elle est ressortie ouais. là. Ouais, et vous, vous avez une intrigue comme ça qui... une intrigue préférée en tout cas, une intrigue où vous sentez que vous vraiment avez aimé, vous avez aimé entre ce que vous avez pu déployer comme comédienne et puis des choses ou des moments que vous appréciez particulièrement dans la série. Moi j'aime beaucoup évidemment quand c'est un petit peu plus axé sur la comédie, mais cela dit, quand vous parlez du viol, je me rappelle de cette intrigue à tourner, c'était très 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 intéressant à tourner, puis j'aimais bien ce que ça racontait aussi.
C'était très esthétique. Oui, c'était très esthétique. Dans quel sens très esthétique? C'est les images. C'était bien filmé. C'était assez beau, quoi. Ouais, plus que d'habitude. Oui, puis c'était pas choquant, ça aurait pu aller sur un truc un peu facile. Oui. Et là, c'était. Non, il y avait comme une distance glauque dans l'image, oui, c'était assez beau, la lumière était belle, c'était pas le truc. Voilà. Cru pour être cru. Voilà. Okay. Et puis, c'est marrant, il y a des intrigues qui m'ont beaucoup marqué. Alors, elles sont très anciennes, ou alors c'est parce que je me souviens pas des autres, mais il y en avait. J'ai beaucoup aimé l'intrigue. Alors, je dis que ça me fait rire parce que je dis que j'aime beaucoup les intrigues comédies et je vais vous parler que d'intrigues un peu dramatiques. Il y a eu le cancer de Marianne. Ouais. Et puis, il y a eu aussi la grève du rein de sa petite fille. C'était c'était Judith. Bien parce que. Bah, la petite Judith, oui. Mais le cancer, c'était bien parce que malgré ce thème un peu lourd et tout ça, il y avait. Elle prenait ça avec une telle, au départ, une désinvolture, il y avait un déni. Puis après, elle se battait super courageusement et en même temps, ça lui enlevait aucun humour et tout ça. Donc, elle avait toujours cette espèce de distance par rapport aux choses qu'a Marianne, que moi j'adore, qui permet de jouer toujours avec... comme l'œil qui frise, tout le temps un peu. Ouais, exactement. Et ce côté-là, on le retrouve aussi sur votre partenaire de jeu qu'on va voir à l'écran. J'allais dire, elle joue aussi avec le plus bel homme de DNA quand même. Pierre Denis, on était ravis de recevoir... Ces photos, mais elles sont belles ces photos. Elles sont belles ces photos et vous êtes très bien tous les deux. On l'a reçu il n'y a pas longtemps, on était ravis de le recevoir parce que c'est aussi... Et vous avez beaucoup de points communs tous les deux dans vos parcours et dans vos trajectoires, etc. Comment ça se passe justement ce couple fictionnel entre vous deux? Bah, en tout cas, ça fait un petit... On n'est plus un jeune couple. Non. On commence à bien se connaître. Et c'est vrai qu'on se comporte, en tout cas, comme un couple. Enfin, je veux dire, on est vraiment, vraiment en binôme. Ouais. Et puis, on se parle de nos envies par rapport à la série, aux intrigues. Enfin, on est assez proches. Oui, tout à fait. Et ça s'est fait... on joue mari et femme dans la fiction. Donc... évidemment, ça crée des complicités, de l'humour mais aussi. Alors, Luce, pourquoi? Pourquoi le procureur? Mais parce que Marianne est une femme très vivante, qui assume beaucoup de choses, qui assume son âge, qui assume sa sexualité, qui assume sa liberté. Puissant. Et voilà, elle a eu un petit crush. Hein, Et le procureur, il était marié avec qui dans une autre série? Eh bien, ça, c'est une jolie avec Ingrid Chauvin. Dolmen. Ah oui. Donc je vous félicite pas. Oui, c'est vrai. Je vous félicite pas. Non, mais voilà, elle s'est un petit peu laissée. Tu poserais pas cette question si c'était un invité. Si, je vais poser à lui aussi. Je vais poser à lui aussi. Tu jures? Ah ouais. Je vais poser à lui aussi parce que je trouvais marrant de le voir se retrouver avec Ingrid. Ok, dans... alors. Ouais, non, tu vois. Non, mais parce que, elle a eu un petit coup de cœur, quoi. Enfin, un petit. Puis elle a assumé jusqu'à un certain point, parce que ça n'a pas été non plus très, très loin, on ne va pas se mentir. Mais un petit flirt. C'est intéressant, et il nous le disait, quand il est venu, il nous disait que c'était intéressant de montrer aussi ce genre de personnage dans une série quotidienne. La télévision, qui, en général, n'aime pas les personnages qui ont souvent plus de 40 piges. Ouais. Et là, on voit des personnages plus matures qui arrivent dans la série et qui. Tout à fait. Et moi, je vais vous dire, une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup interpréter ce personnage qui vieillit avec moi en même temps, c'est que plus j'avance en âge, n'est-ce pas, plus je grandis et plus j'ai des choses intéressantes. Alors ça, je trouve ça formidable que sur une série comme ça, quotidienne sur TF1, on parle de la femme de 60 ans avec autant de légèreté, de bonheur, de bonne humeur et de belles choses à défendre. Moi, je trouve ça formidable parce que je vais vous dire, c'est pas fréquent. Non, c'est pas fréquent du tout. C'est pas du tout fréquent. Je peux rajouter, d'un point de vue de la féminité, elle défend beaucoup plus de choses que ces deux filles de fiction. Non, pas les comédiennes, de leurs personnages, que Chloé et Anna. Bah parce que moi, en plus, c'était vraiment une chose que j'avais en tête. J'avais envie de défendre cette femme-là à cet âge-là et raconter quelque chose qui donne envie de voir aussi cette... Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper important. Réussi. Mais on vous vit, du coup, si vous devez jouer la mère... Ouais, ça, c'est une aberration. Est-ce que Dieu sait que je suis complètement... je trouve ça merveilleux qu'il y ait ce rôle, mais c'est un rôle qui devrait être joué par une femme normalement de quoi, 80 ans? Ah bah non, 70 ans. Non, ils ont rajeuni la mère de qui? La mère d'Ingrid. Ils ont rajeuni Ingrid. Mais ça, malheureusement, c'est un problème. Dieu sait que c'est merveilleux, du coup, que c'est qu'on n'est pas en train de donner le rôle, du coup, à des femmes
même plus âgées parce qu'on rajeunit mais voilà, sans cas, cesse les femmes. En tout cas, on parle plus de génération. Oui, on ne va pas rentrer dans les âges vraiment. C'est pas choquant dans l'absolu parce que moi, ça ne me choque pas parce qu'effectivement, il y a ce personnage de Marianne qui est un personnage de plus de 60 ans. Pas plus. 60 ans, c'est vrai. Non, mais qui a une vraie vie professionnelle, qui a une vraie vie sentimentale, qui a une vraie vie sexuelle. Et tout ça, c'est mentionné dans la série. Et je trouve que je recevais ici, il y a quelques années, Christelle Labaude, qui maintenant est sur Un si grand soleil, qui me parlait de ce fameux tunnel de plus de 50 ans pour les femmes et pour les comédiennes. Et elle me disait, on a besoin que des personnages soient remontrés pour éviter que... Mais vraiment, et je trouve que c'est... Enfin, voilà, je trouve ça extrêmement galvanisant. Et même pour moi, dans ma vie privée, de faire ça, je trouve ça très... très intéressant, quoi. Enfin, ça me porte aussi qu'on m'écrive des choses comme ça, vachement belles, vachement drôles et vachement... Oui, c'est ça, ça me... Vous vous voyez encore combien de temps dans DNA ? Pardon ? Vous voyez combien de temps ? Vous voyez rester encore combien de temps dans DNA ? On y réfléchit ? On se projette ? Moi, pour l'instant, tant qu'on me dit de rester, je reste. Parce que, pour l'instant, je continue vraiment, et c'est pas la langue de bois, à m'amuser à le faire. C'est-à-dire que quand je suis sur le set et qu'on dit moteur, et... Je m'amuse beaucoup, je travaille beaucoup mes scènes, je les travaille beaucoup en amont parce que c'est le seul moyen, comme on va vite, de pouvoir être assez performante rapidement. Et vraiment, ça me comble quelque part quand même. En tout cas, vous qui vouliez de la comédie, vous allez être servi avec votre frère qui vient d'arriver dans la série, ouais. Laurent Gamelon, ouais. Qui va jouer votre frère. Ouais. Grosse complicité comique aussi. Il vient d'arriver, c'est pas encore diffusé à l'antenne. Non, et ça, pareil, ça va être, je pense que ça va être assez drôle. Tous les deux, ça fait des étincelles. Ça matche bien ensemble, ouais. Vraiment. Oui. Et puis, il fait aussi le pendant un peu avec Pierre, parce que Pierre est quelqu'un, mais évidemment, on a beaucoup de scènes de comédie aussi, hein, mais voilà, il a une prestance, il a une présence comme ça, un peu belle, impressionnante, tout ça. Et lui il est Gilles, enfin, comment dire, Laurent, non. Il est vraiment dans le truc un peu bonhomme, comique, il fait bien le pendant avec Pierre aussi. Donc, ça fait un trio... explosif. Assez explosif, et voilà. Voilà, ça va permettre, je suis sûre, des intrigues pas piquées d'hameton. Savoureux, ça va être cet été. On sur... dit encore pas piquées d'hameton. Moi, j'ai cru que j'avais mal entendu, ouais, parce que je ne connais pas cette expression. Voilà, c'est ça. C'est là, voilà. C'est donc quoi, moi, Marianne revendique ces expressions des années 80. J'ai remarqué 80. Que vous avez des super expressions, mais je veux bien du coup l'entendre. Pas piquées des hannetons. Alors, pas piquées des hannetons. Pas piquées des hannetons. On te le refera après. Mais ça veut dire quoi, mais si ça ne te dérange pas qu'on passe pas 12 heures dessus. Voilà, c'est ça. Ce serait sympa. On vous expliquera à la fin. On t'expliquera quand tu seras grand. On a un petit lexique. Pas piquées des hannetons. Et là, justement, redéroulons un petit peu, comme on le fait régulièrement, le parcours de notre notre ami Luce Mouchel. On va commencer par quelque chose qui est assez récent avant de remonter beaucoup plus en avant, puisqu'on parlait de comédie. Voici l'un des projets que vous avez fait il y a peut-être pas très très longtemps. Il était super cet épisode de Camping Paradis avec donc Laurent Ournac. Ouais. Ça fait partie. C'était avant DNA. J'avais un beau blouson. Non, c'était pendant DNA, il me semble. Comment ? C'était pendant DNA. Oui, c'était en 2019, ça. Oui, c'est ça, donc 4 ans déjà. Ouais. À Martigues. Le blouson, il est très joli. Ah, j'aime beaucoup. Ouais. Le look est chouette. Je sais pas pourquoi j'aurais dû le garder, mais je sais pas. Vous êtes amusé, on imagine, sur ce tournage-là. Oui, je me suis bien amusée. Puis j'étais dans un autre look physique, ça me plaisait bien parce que je me trouvais loin jolie. De Marianne Delcourt, pour le coup. Oui. Ouais, quand même, c'est vrai. Oui. Et puis, je me suis bien amusée. Il y a beaucoup de nuits à chaque fois quand on fait camping. C'est toujours le truc qui fait vraiment des nuits totales. Hein, des nuits blanches. Donc, mais je me suis super bien entendue avec lui. Laurent. Avec Laurent. Puis avec, d'ailleurs, il y en a un des trois là qui est passé sur DNA. Exactement. Guérino. Patrick Guérino, oui. Et que j'aimais beaucoup aussi, que j'aime toujours. Et on tombe pas beaucoup sur DNA, mais on s'était parlé de ça à l'époque, je me rappelle. Et on avait eu une très jolie scène tous les deux où je préparais un cocktail, je me rappelle, au bar là. Avec Patrick. C'était avec Patrick Guérino, donc dans Camping Paradis. Ouais. Voilà, c'est en général, voilà, pour les stars TF1, passer par un épisode de camping, ça fait partie aussi des petits moments sympathiques dans la carrière. Voilà. Remontons un petit peu plus en avant, s'il vous plaît, cher. On est au théâtre. Mais où vous avez trouvé ça?
La mort d'Auguste. La mort d'Auguste au théâtre. Van Garten, Romain Van Garten. Avec ah, j'ai fouillé, je suis désolé. J'ai Dominique Pinon. Bah oui, c'est vrai. Et Laurent Carpentier. Non, pas Laurent Carpentier. Je sais plus, Laurent, mais je Dominique plus. Pinon qui est sur la gauche, ouais, effectivement. Ouais, qu'on voilà. reconnaît maintenant que vous le dites. On reconnaît. Ouais. Et moi qui étais toute jeunette, et d'ailleurs, je venais juste d'avoir mon. Trois mois avant, j'avais accouché de mon premier enfant. Voilà, ah bah, pour dire comment j'avais retrouvé ma ligne assez rapidement, mais j'avais un corset. Mais le théâtre fait partie vraiment de votre ADN pour le coup. Ah mais c'est dans mon ADN depuis bien avant que j'en fasse. Ouais. C'est-à-dire depuis toujours j'ai voulu faire du théâtre. Alors pour des raisons que je ne vais pas expliquer là bien sûr. non mais je veux dire c'est ce besoin de jouer et entre la frontière entre le vrai et le faux m'a toujours passionné. J'adore. Ça reste le support sur lequel vous êtes qui vous plaît le plus, sur lequel vous êtes le plus à l'aise ou? Alors plus à l'aise non parce que je suis pas forcément, je suis très traqueuse donc on peut pas dire que je sois très à l'aise au théâtre même si oui évidemment c'est mon historique, c'est mon histoire, hein, c'est ma vie. Mais non c'est pas, c'est autre chose quoi, mais c'est le goût des textes, moi j'ai un ouais. goût des mots, des textes, voilà. Des petites expressions. Des petites expressions, voilà c'est ça. Mais et puis oui enfin c'est là que j'ai quand même été gâtée, j'ai eu des très beaux rôles. Et c'est vrai que c'est toujours en moi. Mais même quand je ne joue pas, le théâtre, c'est comme vous dites, dans mon ADN. C'est-à-dire, j'en rêve, je me rêve dans un spectacle sur une scène, je me vois, c'est toujours, toujours en moi. Et puis, j'ai réfléchi à des projets, là, je suis en train d'écrire mon projet. Donc, oui, vraiment, c'est très présent. On va voir, on a retenu, évidemment, d'autres rôles de théâtre. Mais c'est vrai que là, de vous voir avec vos petites bouclettes à la... Vous avez dit quel âge? Ah bah là, j'avais 30 ans. Ah, ouais, j'avais 30 ans... Et j'ai eu les cheveux bouclés très longtemps. Très un bon. Jour, ils n'ont très plus bon. Été bouclés. je crois que c'est... Je ne sais plus quand. Enfin, y a, ouais. Ah bah c'est vrai qu'on va voir sur les projets qui suivent, il y a une tendance bouclette. Ouais. On va voir. Ouais, on va voir. Vrai. Regardons la photo suivante. Mais c'était plus à la mode que maintenant aussi. Oh non ! Ça, il ne fallait pas ! Mais ça, il ne fallait pas du tout ! J'espère que personne ne la verra. Qu'est-ce que c'est que cette fille qui, à moitié, se réveille ? Délit mineur. Délit mineur, ça s'appelait. Alors ça, oui, délit mineur. Mais qu'est-ce que c'est que cette tomate ? La lumière mignonne. Alors ça, je sors du conservatoire. J'ai ouais. 93. Mais vous avez une mémoire des dates, c'est hallucinant. Bah, je sais pas, oui, des trucs. Et c'était le premier film avec Francis Giraud. Je faisais un tout petit rôle. D'ailleurs, c'était avec Délit mineur. Je crois qu'il y avait pas. C'était pas avec Caroline Cellier. Je crois, il me semble. Et Claude Brasseur. Il y avait aussi. Peut-être bien. Ouais. Alors ça, je me souviens plus, mais quand même, c'est j'avais je crois que je faisais une serveuse. Oh là là. C'est très difficile de retrouver sur des projets comme ça, un peu plus dans les années 90, et quand c'est pas forcément des gros rôles. Mais c'est vrai que je voulais qu'on voit le parcours un peu. Il y a 30 ans. Bah ouais, 30 ans. Moi, je suis née en 93, donc j'ai 30 ans. Donc d'accord, merci de me le rappeler. Non, c'est bien. Allez, ça va. Ah non, moi, je ne lui parle plus après. Ah non, au contraire, moi, je suis née en 93, quoi. Et puisqu'on parlait de Pierre Denis, ah oui. Projet suivant. Regardez, on va le voir. Ah bah oui, c'est là que j'ai rencontré Pierre, mais à peine, parce qu'on avait une femme d'honneur. Pas de scène ensemble. Une femme d'honneur. Ah ouais, là c'était... Vous vous souvenez d'avoir travaillé avec lui sur Une femme d'honneur quand vous l'avez retrouvé sur DNA? Non, je me rappelais l'avoir vu, mais on avait dû se dire bonjour, entrer dans ce femme d'honneur-là. Mais j'en garde un très, très joli souvenir parce que c'était un vrai tournage, j'avais plusieurs jours d'affilée et tout ça, j'avais un petit avec personnage Corinne à Jouzem. Construire. Et puis, oui, je me rappelle très très bien de ça. Comment vous choisissez vos rôles? Alors, peut-être à l'époque et encore aujourd'hui. Est-ce que vous les choisissez quand vous avez un rôle important, genre Marianne Delcourt, vous prenez les rôles à côté en vous disant il faut quand même que je fasse et que je montre autre chose, donc j'essaie de choisir des rôles qui sont radicalement différents, ou est-ce que vous fonctionnez avant tout au coup de cœur sur un rôle? Comment vous fonctionnez? Je fonctionne un petit peu au coup de cœur. C'est vrai que j'aime bien faire des choses différentes, mais le truc avec Marianne Delcourt, c'est à la fois une qualité et un défaut, c'est que je fais tout. Vous faites tout, bah oui. Donc voilà, je fais tout. La comédie, du drame, de la... Voilà. En fait, oui, non, si j'avais donc tout ce qu'on peut me proposer en télé à côté, c'est forcément des choses que je fais déjà avec Marianne. Ce serait quoi la petite chose qui manquerait dans le... Oh bah faudrait un premier rôle sur un long métrage ou voilà, un truc comme ça, une belle histoire, un beau rôle. Moi j'aimerais bien, une femme
amoureuse, qui a une passion de folie à 60 ans. Voilà, moi j'aimerais beaucoup ça. Avec un homme. Mais c'est bien qu'une femme qui a votre. Autant qu'à faire. Mais j'aime assez l'idée que vous ayez. Vous êtes une femme avec un parcours théâtral, cinéma, télé de dingue, et vous revenez en disant. Mais ce qui est génial, c'est qu'avec Marianne Delcourt, je fais plein de choses. Ouais. Et quand on voit certains comédiennes ou comédiens qui, souvent, on se dit le feuilleton quotidien, on le met de côté, ça compte presque pas. Ouais. Au tout début, je vous cache pas que je me disais que ça durerait 6 mois, puis que voilà, je continuerais. Vous en auriez pas. Fait le tour, ouais. J'en aurais fait le tour. Et puis, comme ça dure et que forcément, ils écrivent, eux aussi, les auteurs, il faut qu'ils se renouvellent. Donc, ils sont obligés de chercher des tas de choses. Et puis, je pense que sans me vanter et sans fausse modestie non plus, je pense que je les inspire. Parce qu'en général, ce qu'ils m'écrivent, ils finissent par écrire comme moi, je parlerais dans Marianne. C'est-à-dire que des fois, j'improvise un peu, je vais me rajouter 2-3 petites. Ils ont tellement bien capté mon humour et donc l'humour de Marianne. Et du coup, ils écrivent dans ce sens-là. Et je pense qu'on s'inspire tous les deux. Enfin, tous les deux. Enfin, le beau l'auteur et moi, on s'apporte beaucoup. Et c'est un échange super riche. Ouais, et c'est ça qui nourrit aussi, évidemment, le personnage. En tout cas, là, c'était une femme d'honneur. Projet suivant, on déroule, on continue à avancer. Ah, ça, c'était super. Les Déracinés. Ah ouais. Avec Georges Corafas. Avec Georges Corafas, un acteur qu'on ne voit plus assez, je trouve. J'aime beaucoup. Moi-même, ça fait même longtemps que je l'ai plus vu du tout. Il a été à l'époque le héros d'une série, Le Négociateur, et puis il était rouge aussi, que moi j'avais beaucoup aimé. Oui, puis il a tourné en Grèce pas mal. Oui, il a tourné en Grèce. Ouais. Ça, c'est un très très joli téléfilm de Jacques Renard. D'ailleurs, ça, c'était... Au début des années 2000, je crois. 2001. Oui, 2000, c'est ça. C'est 2000. Au moment où il a fait l'été rouge quelques temps plus tard. Bah oui, je venais d'accoucher de ma fille. Une autre. Oui. J'adore. Non, le premier, c'était mon fils. Ah. Okay. Et c'était terrible parce qu'elle avait quelques mois et je partais en Corse tout le temps et elle regardait dans le ciel et dit « Maman, avion ». Parce que je prenais l'avion tout le temps. C'est trop mignon. Vous portez très bien la salopette, en tout cas. Ouais. Maman avion, maman avion. Bref. On salue votre fille d'ailleurs. Hein, Tout le monde s'en fiche, mais j'ai eu envie de raconter cette petite anecdote. Oui. Très mignonne. Mais très mais j'aime beaucoup la salopette. Oui, elle vous va bien. Ouais, elle va bien. C'était un très beau téléfilm, ça. Hein, j'aime beaucoup cet acteur. Voilà, je le dis. Et c'est vrai que ça match bien entre vous deux et tout. Ouais, c'est vrai. C'est un très bon comédien. Déraciné. Peut-être que, tiens, TF1. Je l'ai rapatrié d'Algérie et tout ça. C'était formidable. C'était vraiment un beau téléfilm. Ça pourrait être un visage intéressant à faire venir dans DNA, tiens, qui sait, on sait jamais. Mais oui, mais carrément, ça pourrait être mon ancien amant qui revient, qui vient encore foutre le merci. Je crois que notre invité a vraiment envie d'un truc d'amour, d'amant. Oui, ça me pose question, pourtant. Vous allez bien, sinon tout va bien. Tout va bien, je vous assure. Non, mais parce que je vous dis ça, parce que intrigue amoureuse et tout ça, non, c'est pas que moi j'aimerais beaucoup avoir des intrigues de serial killer, je suis embarquée dans une histoire comme ça, mais je crois qu'ils tiennent beaucoup au personnage droit, qui fait des petits écarts comme ça, des petites conneries, mais qui reste quand même un modèle de droiture et de On l'aime tellement quand elle flanche pourtant. Oui, mais justement, elle est un peu border. Un peu border. Tu vas pouvoir nous parler du prochain personnage, Nora. Le voici qui apparaît à l'image. Madame Turpin. Ah oui, j'ai dans eu un plus petit bug, deux secondes, je me souvenais plus, mais ça y est, je l'ai retrouvé en 2014. Pardon, je suis lancée sur les dates, c'est j'ai un truc avec les dates, parce que je vais pas vous le dire, mais à chaque fois ça correspond à donc là c'est un troisième enfant. Non. Mais c'est des bons moyens mnémotechniques en même temps. Ouais, c'est vrai. Non, mais j'en ai que deux. Les moyens mnémotechniques avec eux, ils sont assez. Ça va vite. Limité, mais, ouais. C'est limité. Mais plus belle la vie, donc vous y êtes passé aussi, effectivement. Ouais, vous êtes partie de ces. J'ai passé une petite semaine. Ouais. Et je sais que je faisais la maman d'une enfant boulimique, je crois. Ouais. Et ça m'avait. C'était assez touchant. Ça m'avait bien parlé, ce sujet. Ça m'avait bien intéressé. Et c'est la première fois que je faisais une quotidienne. J'avais halluciné. Je comprenais pas le rythme. Je comprenais pas pourquoi on commençait si tôt et on finissait si tard et c'était... Résultat, 4 ans plus tard, elle rempile et voilà, toujours. Je rempile. Mais oui, c'était bien, puis j'avais passé un très bon moment à Marseille, parce que moi, les tournages, c'est un tout. Il y a la ville, il y a l'hôtel, il y a tout ça. Non, mais c'est vrai. Non, je rigole un peu, mais pas que. Pas que. Non, mais c'est... Tourner dans des villes comme Marseille ou Sète, c'est quand même...
mieux que pire. D'autres que je ne vais pas nommer, oui. qui seraient plus haut dans la, oui, personne, dans oui. la cartographie. Un feuilleton quotidien à Lille n'aurait absolument aucun intérêt. Non, enfin, je déconne non, avec les Lillois. Ça, je rigole. Oui, parce qu'en plus, moi, j'aime tellement Lille et j'ai beaucoup travaillé au théâtre. Et, mais je pensais encore plus haut. Dunkerque. Non, en plus, moi, je suis issue de cette région Normandie. Donc, j'aime beaucoup les territoires normands et au-dessus de la Loire. Mais disons que, voilà, dans le sud, c'est une localité. C'était une boutade. Vous disiez tout à l'heure que vous vouliez des histoires dans DNA. Avec je vous propose de parler avec des mots normands. Avec des criminels. Ouais. C'est compliqué pour vous aussi, non, c'est vrai. Oui, non, mais. Joke. L'enfer. Joke, you know. En tout cas, Luce voulait des histoires de criminels dans DNA. Bah, vous l'avez vécu un peu au théâtre finalement. Alors attendez, je vais regarder. Une seconde. Regardez si ça vous rappelle quelque chose. Qu'est-ce que c'est voilà. Mais oui! Et au moment, oh, cette photo est magnifique, avec Pio Marmaille, bien sûr. Évidemment. Au moment où vous me disiez criminel, mais qu'est-ce que j'ai fait criminel? Mais tout de suite, ça m'est apparu vraiment. Roberto Zucco. Bernard Marie Coltès, grand spectacle. Avec Pio Marmaille, évidemment. Avec Pio Marmaille, spectacle mis en scène par Richard Brunel à la Comédie de Valence en 2015. Mais putain, quelle mémoire! Par cœur. Enfant numéro 4. Elle est vachement belle cette photo. Elle est très belle. Je peux pas la voir. Ah bah je vous la donnerai. Je vous la donnerai. Elle est trop belle. Cette photo. Et oui, ou là, effectivement. Et oui, c'est un projet et un criminel, évidemment, malheureusement, très connu. Il y a eu une adaptation au cinéma aussi. Oui. Mais c'est vrai que la Pio Marmaille. Je savais pas qu'il y avait une adaptation au cinéma. Si, je crois qu'il y a eu une adaptation au cinéma, peut-être en Italie, peut-être, mais pas forcément en France. Moi, je faisais la Dame du Parc. C'était beau. C'était intense. Ouais, intense. Et là, c'est un projet. Je vous parlais tout à l'heure en off. Je me suis abonné à des choses pour vous. Ah, vous faites un peu bien le côté sous Hélène. J'aime bien ce côté alcoolique sous Hélène. Alors, je veux voir. Regardez. Sous Hélène. Ouais, sous Hélène. Est-ce que ça vous parle ? 57 rue de Varennes. Ah ouais, mais quel rapport avec Sue Hélène ? Vous faites la femme du président de la République, légèrement oui. alcoolique. Ah, bien sûr. Et qui se prend. Là, pour le coup, j'ai eu un vrai bug de date. Ça doit être dans les années 2012-13. Parce que c'est. On est en 2016, je crois. 16, pardon. Et il y a 6 saisons. J'avais à 57 rue de Varennes. Ah oui, à un moment donné, je suis complètement. Et dans la première saison, il doit gérer une crise, puisqu'il y a un de ses ministres qui disparaît en Afrique. Ouais, et sa femme. Ouais. Est alcoolique et sa femme lui en fait vivre de toutes les couleurs à la c'est maison. C'est ça. Et effectivement, et ça, on ne l'avait pas enregistré à la maison de la radio, mais dans un appartement, je ne sais plus où c'était, vers Montreuil ou je ne sais plus, où il y avait vraiment des. C'est rigolo aussi de tourner pour la ouais. radio. Hein. Oui, j'allais vous demander justement. C'est vraiment des conditions de tournage. On joue comme si on était filmé. De toute façon, quand on joue. Mais filmé par quelqu'un, soi-même de... ou par un regard oui. Imaginaire. Mais je veux dire, non, mais c'est vrai, mais forcément, on ne va pas jouer un peu moins parce qu'on n'est pas filmé. On joue. Voilà. Et c'était assez intense. C'était avec Hervé Pierre. La série, moi je l'ai écoutée, elle est vraiment géniale en elle plus. Est géniale. Elle est repassée il n'y a pas longtemps. Elle a été rediffusée, je crois. Elle est disponible en podcast. Vous pouvez l'écouter. Ah, oui, vous pouvez écouter toutes les saisons et en podcast. C'est marrant, vous avez fait vraiment un tour très éclectique et qui reflète. Et ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'avoue que j'ai adoré. Et puis alors, dans la première saison, je pense qu'à un moment donné. Votre mari a la main légère et ouais. il tape dessus. Voilà. Le président de la République. Hein, c'est ça. Mais on vous entend derrière, effectivement, lui faire du chantage. Enfin, voilà, ouais, c'est... J'aime bien ces rôles-là aussi, avec y a une dimension perverse assez assumée. Ouais, c'est intéressant. J'aime assez ça. C'est intéressant. En tout cas, si vous avez envie de découvrir le podcast, il y a 6 saisons de 6 épisodes chacun, 26 minutes à chaque fois, ce qui est quand même pas rien. Réalisé par Cédric aussi. Hein. Et c'est vraiment une très très bonne série audio, 57 rue de Varennes sur les coulisses du pouvoir. Et la première saison, donc, c'est un ministre qui disparaît pendant ses vacances en Afrique. Et ça, c'est évidemment intéressant. On continue à notre projet. Magnifique. Grand spectacle. Quelle année ? C'était un très beau spectacle. Je vais vous le dire, 2017. J'ai adopté un chien cet été-là qui s'appelle Soudain, l'été dernier, s'appelle le... J'ai pas adopté un chien, mais figurez-vous que c'est grâce à ce spectacle que je fais DNA. Ah, c'est vrai ? Oui, parce que la casting de l'époque, qui s'appelle Bénédicte Guillot, était venue voir le spectacle à l'Odéon. Donc, Soudain, l'été dernier, de Tennessee Williams, mis en scène par Stéphane Braunschweig. Et puis, et là, je joue avec Jean-Baptiste Anoumont, super acteur. Et bref, elle vient me voir. Et puis après, elle vient dans ma loge. Et puis, elle me dit, bravo, c'était super, on parle de la pièce. Puis moi, qui aime beaucoup tourner et qui faisais beaucoup de théâtre à l'époque, hein, encore plus que maintenant, je lui dis, t'as pas un truc ?
à l'image, comme on dit, comme disent les agents. Elle me dit, moi, j'ai un petit truc, là, pour une quotidienne, mais je ne sais pas si je vais t'envoyer les essais. Mais je dis, si, envoie-les-moi, on verra bien. De toute façon, je vais les apprendre et tout. Je passe les essais 2 jours après. Et 3 jours après, on me dit, tu bats à 7 la semaine prochaine. Donc, mais c'est marrant parce qu'il y avait un... Évidemment, on ne va pas comparer ce qui est incomparable, mais il y a un côté dans Mrs. Venable, que je joue là, il y a un côté, on va trouver très facilement un côté Marianne Delcourt. Un peu dans son côté qu'elle a, elle peut avoir un peu très hautain, un peu snob et tout ça. Enfin, faussement snob. Faussement snob. Et là, c'était un rôle poignant. Enfin, poignant. Et la photo est très belle aussi. Et la photo est vachement la belle. La photo là, est très belle. Voilà, je regarde le livre de mon fils qui a disparu et lui, c'est le docteur qui essaie de me faire accoucher de son histoire. Et c'est beau, c'est très très beau. Donc on est en 2017, juste avant DNA. En 2017, ouais. Juste avant le lancement. Il est mort dans des conditions terribles et pour moi, c'est, je suis dans le déni total. C'était un très beau rôle. Soudain, soudain l'été dernier. Bonjour Judith. Soudain l'été dernier. Et on passe au tout dernier rôle que je voulais qu'on mentionne pour essayer d'avoir. Ah non, on va continuer l'émission après. Vous inquiétez pas, mais on passe au dernier. Alors, oh, qu'est-ce que c'était magnifique ça. Vous aimez votre carrière, c'est beau à voir, je trouve. Bah, vous êtes fiers des projets. Oui, en tout cas, vous ne m'avez pas montré une photo où je dis non, ça, s'il vous plaît, je ne peux pas en parler, c'est horrible. Ah oui, non, oui, c'est ça. Ah si, la première, un petit peu délimineur, j'avais un peu honte. Enfin, un peu honte. Je me disais, mon Dieu, c'est bien des fois de changer dans la vie. ça, magnifique, pièce d'Anok Levin, à la tempête, Vie et mort de H, avec grand acteur devant l'éternel qui s'appelle Eddie Chinyara. Et là, non, c'était beau, ouais. Je faisais une folle dingue. J'aime quand même les rôles de folle dingue. La folie, hein. Ouais. C'est pour ça qu'on aimerait bien voir Marianne un peu. Pète un plomb. Pète un plomb. Des fois, elle pète un câble, mais c'est vrai. Alors là, pour le coup, je sais pas. Oui, mais je sais pas si le format quotidien comme ça se prête à un vrai pétage de câble. Mais j'adore quand la folie est pas extériorisée, mais qu'elle est là et que par petite touche, elle explose. J'adore. Très beau rôle, très beau spectacle. Franchement, ouais. Et très belle robe. Pour aussi, oui, très belle, très belle. Ouais. Et très belle chaussure. Très belle. Oui. Et les chaussures. Ouais. Et très, très belles jambes. Et très belles jambes, très belle femme. Ça, n'en parlons même pas tellement. Magnifique, magnifique, magnifique. Ah, c'est beau ces photos. C'est beau, c'est pas mal. Ouais. Un beau spectre pour rebondir sur ce que disait Julia sur ce qui vous manque. La réalisation à l'image, ça vous plairait? Réaliser? Ouais. A priori, non. Hein. Non. Alors là, je maintenant, en grandissant, je connais mes limites. Et non, l'écriture. Oui. J'écris, mais réaliser, ça me paraît. Un projet en cours pour le théâtre. Non, il faut que je sois sur la, sur la scène. Sur le plateau, sur la scène, oui, réaliser. Vous pouvez réaliser et vous mettre en scène. Ouais, c'est trop. Non, je sais pas. Non, réaliser, non. Non. Mais je vois que sur DNA, il y en a de plus en plus qui réalisent et tout ça. Je sais pas comment ils font. J'ai aucune formation. Enfin, je veux dire, moi, je fais les choses si j'ai une petite formation derrière, quand même. Enfin, bien sûr. Des formations professionnelles, parce que j'ai fait des écoles, j'ai fait pas des moindres. Mais non, je me sentirais pas. Je pense à ma copine Alexandra Naoum, qui est revenue sur DNA pour réaliser des épisodes après C'était être morte. La première. Enfin, quand je dis la première. Des actrices de la série. Il y en a eu d'autres. Si je me trompe. Elle, à la base, elle était réalisatrice. Elle est aussi réalisatrice. Oui. Voilà, elle a réalisé des courts-métrages formidables. C'est une vocation. On va continuer, évidemment, à parler. Non, il n'y a plus de photos pour l'instant. Bah écoutez, je suis désolé, mais voilà. Et des photos de moi à 2 ans, vous en avez pas trouvé? J'ai pas trouvé. Je suis désolé, mais j'avais peur qu'après vous m'en vouliez trop de montrer des photos trop intimes. On va continuer évidemment, on va parler de théâtre dans un instant avec nos invités qui vont nous rejoindre puisque le Festival d'Avignon approche. Et elles vont nous présenter une relecture, vous allez voir, de Marie Stuart, de Marie Tudor, pardon, une relecture de Marie Tudor très, très originale, rock'n'roll et tout. On va en parler dans un instant. Mais pour l'instant, je voudrais mettre en avant une association d'une actrice qu'on a reçue cette année ici. Elle avait été à l'affiche d'un unitaire pour France Télévisions qui s'appelait La dernière reine de Tahiti. Pour Marée 4, on avait reçu Tway Adams, une actrice tahitienne dans ce studio. Elle a une association pour aider les enfants tahitiens à passer des vacances un peu plus heureuses. Ça s'appelle Saga Tahiti. Elle nous envoie un petit message pour essayer de nous sensibiliser et pour les aider. Elle nous envoie un message de Tahiti. Et puis juste après, nos invités viennent pour la dernière partie de cette émission. Restez avec nous surtout. On approche tranquillement de la fin de cette émission, mais Luce Mouchel reste avec nous. Yorana, je m'appelle Touhey Adams et je m'adresse à vous depuis Tahiti. Cette année, je suis l'ambassadrice de la Saga Tahiti. La Saga Tahiti,
est une institution qui permet à des centaines d'enfants en situation de difficulté d'avoir une éducation au travers de l'apprentissage de la voile et en étant logés dans des familles d'accueil et accompagnés de bénévoles. La saga, elle existe quand même depuis 30 ans et en 30 ans, elle a permis à 20 300 enfants d'avoir une parenthèse de bonheur dans leur vie. Moi-même, étant une ancienne enfant de la saga, je n'ai pas oublié ces moments-là. Et je sais que de tels instants n'auraient jamais pu être possibles sans la générosité des uns et des autres. Je m'adresse donc à vous, afin que par votre geste, vous puissiez à votre tour offrir un peu de bonheur dans la vie de ces enfants-là. J'espère avoir le plaisir de vous voir rejoindre cette grande famille d'entraide et je tiens quand même à remercier Alexandre Letraine de m'avoir donné cette opportunité de parler de la saga Treaty sur cette chaîne. Maruruwa, yauto porua, te apatune yau yauto, parheyana, te yaruhayarhe. Voilà donc pour la saga Tahiti. Donc si vous avez envie de les soutenir, on mettra sur le site de VL les infos pour soutenir cette association. Et merci à toi et à Adams qu'on espère retrouver très bientôt dans un nouveau projet en France. Mon Dieu que vous êtes grandes toutes les deux. Ça s'appelle c'est une relecture de la vie de Marie Tudor, évidemment, dont on va parler, qui va se présenter à partir du début du mois de juillet au Festival d'Avignon. Pour en parler, on reçoit les deux des actrices finalement de ce projet, mais pas que, on va revenir avec vous. Alors, pour pas écorcher les noms, Emma Zampa, Paola Dugno, bonsoir à toutes les deux. Dugno. J'ai dit Dugno. Ah si, j'ai dit Dugno. Ah non, j'ai pas dit Dugno. Paola Dugno qui était venue l'année dernière nous présenter un projet de metteuse en scène d'une pièce pour Avignon sur, on le rappelle, sur un groupe de jeunes qui militaient à gauche contre le système capitaliste et tout. Et c'était un vrai projet audacieux pour Avignon. Tu t'es dit cette année pour l'édition 2023, je la joue plus tranquille et je suis juste comédienne. C'est ça? Exact. Juste un mot, ça s'était passé comment? C'est un vrai challenge? Ça s'était très bien passé, ça avait plutôt bien marché pour 22h30 un petit peu à l'extérieur des remparts. Et voilà, et on attend pour la saison prochaine, on a pas mal de demandes de devis. Et sûrement pour Paris, que la pièce revienne à Paris. Ouais. Bon, on croise les doigts. Donc là, plus tranquille. Ouais. Plus tranquille, mais toujours un projet un peu différent quand même de ce qu'on peut voir, à Avignon. Emma, retravailler sur cette histoire de Marie Tudor, donc la fille d'Henri VIII, qu'on connaît grâce à la série, notamment à la série de Tudor, mais qui n'était pas beaucoup plus sympathique que son père. Hein. Elle a beaucoup réprimandé et réprimé ses opposants et les protestants. Marie la Sanglante, je crois qu'on l'appelait, c'est ça? Bloody Mary, le cocktail vient de son nom. Surnom. Très sympa, hein. elle a suivi les traces de son père. Comment vous pouvez nous présenter ce projet-là? Alors, donc déjà, c'est le texte de Victor Hugo. Moi, je suis une amoureuse de la langue française. Donc, le texte de Hugo est intact. Et après, c'est la mise en scène qui est dans le prolongement de l'esprit un petit peu punk d'Hugo, c'est-à-dire très contestataire et subversif. Et voilà, pour mettre en exergue justement les sentiments exacerbés des personnages. C'est quoi? C'est comme Baz Luhrmann avec Roméo et Juliette et Leonardo DiCaprio, c'est-à-dire le texte original et avec une mise en scène moderne et voilà, contemporaine. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et ça, pour faire ressortir le texte en fin de compte. On va voir une autre photo parce que c'est ce qu'il y avait dans le dossier de presse, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est les inspirations. Oui. Ce qui vous a nourri en inspiration, on va essayer de voir, vous avez fait une petite capture avec toutes les inspirations. Ah yes, c'est mon dossier. C'est votre dossier à vous. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, parce qu'il y a plein de registres très différents. Oui. Comment on peut le présenter du coup? Parce qu'on a du Sex Pistols, on a du Trois Frères, des Visiteurs, on a de tout. On a de tout, des punks, beaucoup de punks surtout. C'est ça. Bah ouais, les Visiteurs, j'en mets dans tous mes projets. C'est vraiment l'humour que j'affectionne, c'est-à-dire un humour pas très subtil, on va dire, mais que j'aime beaucoup. Et je fais ressortir l'humour du texte d'Hugo. Je pense que c'est un texte très, très, très drôle. Et voilà, et de mettre aussi, pareil, en avant le tandem grotesque, sublime, qui est cher à l'auteur et qu'on oublie parfois. On a tendance à le monter de façon, le Hugo, très tragique, très pathos, très lourde. Moi, je trouve que c'est hyper drôle. Et donc, j'essaye de faire ressortir. Donc, il y a des moments où on rit, des moments où on pleure. Voilà. Et toi, tu joues qui, Paola, alors, du coup? Moi, je joue Jane.
Ouais. Alors, il faut l'expliquer, c'est qui Jane alors. Je joue Jane. Alors. Moi, du coup, je joue. Je suis tellement nulle. Tu j'y ailles Oui. Donc, comment la, reine Marie, la reine Marie est amoureuse d'un jeune Italien, Fabiano, qui la trompe. Qui la trompe avec. Jane. Eh bah ouais. Avec la belle Jane, qui elle-même trompe Gilbert, un homme du peuple. Et donc, c'est tout cet imbroglio amoureux comme ça. Qui va prendre des et dimensions. Et à la fin, Fabiano ah, et... Ah, je veux pas dire. Ah, pardon. D'accord. Faut pas spoiler. À la fin, il y a Fabiano. Pas de spoiler. Non, mais enfin, c'est le texte de Hugo. C'est Victor Hugo, bon. Hein, ouais. Spoiliez pas. Non, mais alors, sinon, mais ça finit mal, quoi. Ça finit mal, ouais. Ça finit très mal. Pas très bien. Nous, ouais. Et du coup, ça finit toujours mal chez les Tudors en même temps. Sans le tapis, si. Mais du coup, ce qui est intéressant avec Jane, c'est que toute la première partie de la pièce, elle a un côté très ado, très... très ouais. Sain, très saine, tout ça. Et en fait, elle a un switch où vraiment elle prend presque la place de la reine en dernière partie, où elle devient complètement. Celle qui prend le lead. Le lead, elle ouais. A le lead, etc. Et donc, il y a un vrai travail intéressant pour Jane. Si là aussi, c'est deux ouais. Femmes très amoureuses. Hein, c'est ouais, ça, ouais, ouais. Donc, vous connaissez ce texte-là, ouais, évidemment, oui, j'imagine. Oui, oui ouais. Mais je, c'est vrai que c'est deux femmes vraiment très amoureuses, pas. Forcément manipulatrice ou tout ça. Il y a de ça, mais il y a beaucoup de passion. Ça, c'est ce qu'on aurait dit d'elle, c'est qu'elle était manipulatrice, alors qu'en fait, c'était des femmes amoureuses. Voilà. Puis en vrai, il y a même de la sororité entre elles, je trouve. C'est vrai. Alors qu'elles se battent pour les mêmes. Tout à fait. Et finalement, en fait, elles se rejoignent à un endroit. Exactement. Et si je dis que la mise en scène va quand même, pour celles et ceux qui verraient le projet, moi j'ai vu ne serait-ce que le teaser que vous avez envoyé, la mise en scène va très loin dans la représentation à la fois de la violence, de la nudité. Enfin, on est peu coutumier de ce genre de choses sur les scènes de théâtre. Enfin, c'est pas. Alors je vous le dis, c'est ni trash, ni gore, ni machin. Mais enfin, ça va loin, ça pousse esthétiquement. Ça va. Vous allez loin. Oui. Bah c'est pour rester dans cette esthétique punk. Enfin, pour rester pour s'intégrer dans cette esthétique punk, quoi, justement. Vous avez, c'est plus compliqué quand on a comme ça un parti pris, et on revient à ce que tu avais fait l'année dernière, mais un parti pris qui change complètement de ce qu'on propose à Avignon, c'est facile justement de les convaincre de débarquer en force là-bas Oui, justement. Puis même les ados, les plus jeunes adorent ce genre de mise en scène parce qu'on a beaucoup travaillé avec eux et ça leur fait parvenir le texte. Et ils se disent « Ah ouais, en fait, c'est pas chiant, Hugo. » Et ouais, non, ça marche plutôt bien. Et j'aimerais beaucoup continuer cette activité avec les scolaires qu'on avait initiés. Vous aviez, ouais. Mais c'est fort pour les scolaires parce que la langue, elle est quand même, elle est pas évidente. Enfin, c'est elle ça. Est même, elle est très belle. Mais je veux dire, c'est formidable qu'ils puissent être sensibles à ça. Oui. Mais c'est vrai que je mentionnais tout à l'heure le travail. Ouais. Non, mais on dit toujours les jeunes machin. Mais enfin, dès qu'il y a un beau texte, il passionne tous les âges, quoi. Mais c'est pas évident de trouver des leviers, des moyens, justement, de faire intéresser les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs à des textes qui peuvent penser être un peu ardus, être trop compliqués, pas pour eux, pas accessibles. Ouais, parce qu'il y a aussi les thèmes qui leur parlent aussi. Ça, enfin, oui. c'est des thèmes assez universels. Oui, c'est ça. Mais c'est ça la force des grands textes, c'est qu'ils ne prennent pas une ride en fait. Le texte de Hugo, il a 200 ans et il a pas pris une ride. Non. 200. Mais tous les grands classiques en fait. Bien sûr. Même si on retourne chez les Grecs, Eschyle, Sophocle, c'est pareil, c'est exactement les mêmes thématiques qu'aujourd'hui. C'est... On n'a pas inventé grand-chose, ça je vous confirme, effectivement, tout est déjà présent, on peut innover effectivement dans la mise en scène, dans le travail, dans c'est le jeu et dans ces choses-là. Quel est le plus gros défi pour toi, Paola, par exemple, sur cette pièce-là? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment compliquées? Ben moi, c'est de rejouer du classique. Ouais. Parce que Immortel, pour le coup, c'était très contemporain et puis c'est écrit de manière très... très actuel, et c'est très actuel, mais c'est vrai que depuis les cours Florent, donc il y a 10 ans, je crois maintenant. Déjà ans, oh là là. Non, là, on est sorti en 2017. Je sais plus. Ah bah ouais, 2014. Ouais. 2017. Mais du coup, c'est la première fois que je rejoue du classique. Et ça te plaît particulièrement ou... Ouais, j'adore, c'est très très cool, mais c'est du coup mon challenge, quoi, de me remettre dans ça. Bon, maintenant, du coup, on s'y remise, mais c'est ça. Parce que c'est ce que vous travailliez en cours. En fait, vous travaillez. Que vous travaillez du classique. En oui, fait. C'est on faisait en un cours. Peu de tout, mais c'est vrai qu'après les cours Florent, moi j'ai plus fait des projets à l'image ou alors du théâtre contemporain. Ouais. Mais classique, c'est la première fois que je suis reprise, du coup, prise sur un projet classique. Donc c'est trop bien. Moi, depuis que je fais appel à la comédienne qui a l'expérience, mais moi, depuis que je connais Paola, il y a un truc, notamment, alors, outre son jeu de comédienne qui me fascine, c'est cette
identité vocale que je trouve vraiment, alors là pour le coup, avoir une telle identité vocale, c'est-à-dire une voix marquée, ah ouais, c'est pas évident, il faut l'avoir. Ah alors non, c'est pas évident peut-être, mais je trouve que c'est un super atout. Moi. Ah bah carrément, moi j'adore ça. J'ai toujours rêvé d'avoir une voix qu'on remarque. Et puis bon, c'est pas ça qu'on a remarqué, mais je parce que j'ai pas une voix spéciale, mais je trouve ça, ces voix comme ça, ah ouais, c'est fort quoi. C'est fort et fascinant. Est-ce que du coup tu te sens parfois un peu à l'étroit dans certains rôles qu'on peut te proposer? Parce que est-ce que du coup on la dirige même de la même façon, parce qu'elle donne, elle marque le rôle dans lequel elle va être avec cette voix notamment. Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, pour le personnage de Jane, j'avais envie de travailler avec une actrice avec un caractère très affirmé. Parce que le rôle de Jane est souvent traité, c'est un caractère un petit peu effacé, on va dire. Et dans ma mise en scène, j'essaye de mettre en avant les femmes, parce que je suis une femme, je suis metteuse en scène, je suis une femme. Et donc de faire vraiment ressortir Marie et Jane. Et donc Paola, par ce qu'elle dégage, son autorité naturelle, etc. Je trouvais que c'était un choix intéressant justement pour faire ressortir ce personnage-là. Est-ce que je la dirige de façon différente non. Non, mais ça fait pas une gêne fade. Mais du coup, voilà, c'est ça. En fait, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure que je veux montrer. Rien à faire, quoi. Il y a rien à faire. Elle arrive, elle parle et c'est fini, quoi. On verra. On en reparle après. Ça commence quand? Le 7. Le 7 juillet, vous êtes jusqu'à la fin du mois à Avignon? Oui. Soyons précis. Où? À quelle heure? Alors, du 7 juillet au 29 juillet à 19h40 au Théâtre des Brunes, 32 rue Thiers. À Avignon, donc yes, tous on les relâche jours. Les lundis soirs. Ah oui, très important. 6 jours sur 7 pendant 3 semaines. Mais évidemment, c'est... Vous l'avez fait à Avignon, vous, déjà, pour des pièces, pour des projets? Oui, ouais. Oui, je l'ai fait. C'est un cadre un peu vraiment particulier ou c'est... Ah oui, c'est une immersion totale, quoi. Vraiment. C'est vraiment une immersion totale. C'est 3 semaines de théâtre non-stop, quoi. Ouais. Le théâtre, on en voit, on en fait, puis c'est dans les rues, enfin, c'est hallucinant, quoi. Il y a un spectacle tous les 5 mètres, enfin, dans le off, et puis alors le in, c'est encore... Non, c'est... Moi, je trouve ça super chouette. Ouais. En tout cas... C'est l'énergie. C'est... Ah ouais. C'est l'énergie qui vous prend, quoi. Même qui vous gagne, enfin, c'est... Ouais. C'est... Ouais. Tu lui as dit, tu vas voir l'état dans lequel tu seras à la fin des 3 semaines. Elle a fait Avignon avec Marie Tudor déjà en 2019, et d'ailleurs, elle avait signé 45 dates avec, donc elle connaissait avant moi. Bon, ça va. Et après, il y a eu le Covid. Et après, il y a eu le Covid, évidemment. T'as envie d'y retourner, du coup, en tant que metteuse en scène ou pas? Moi, j'ai envie d'y retourner avec mon projet. Et avec Immortel aussi? Peut-être à nouveau. Avec Kamikaze, quoi, complètement jusqu'au bout. L'année prochaine, ouais, je crois. Bon, l'année prochaine. Toujours politisé. On en reparle. Hein, jamais 203, tu reviendras l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez découvrir cette nouvelle vie de Marie Tudor, donc à 19h45, donc... 40. Attention, ne ratez pas le début. À Avignon tous les soirs. Et à mon avis, ça va être un rythme. Soutenu, ouais. Vraiment soutenu. Vraiment, oui. Vraiment. On vous mettra les images du teaser dans la bande-annonce, dans le biais de ce replay, parce qu'il faut vraiment que vous découvriez cet univers-là. Je disais que c'était un univers à part. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier, de très à part. C'est donc, à découvrir. Merci beaucoup. Et puis, on salue juste les copains. Allez-y. Ouais. Vincent Vandamme, Aurélien Lejeune et Constantin Vidal. Les trois acteurs qui ne sont pas là aujourd'hui, mais on pense à eux. Mais qui vont aussi avoir beaucoup de choses à jouer sur scène. Voilà, exactement. À partir du 7. Voilà, et surtout, entretiens bien cette voix, effectivement. On le disait, c'est une force. Et c'est vrai que ça fait partie de ta signature. Donc c'est impressionnant. C'est toujours impressionnant de l'entendre. Luce Mouchel, merci d'avoir été avec nous. Bah, c'est moi, c'était un plaisir. On a passé en revue ce parcours riche. Riche. En attendant, on vous retrouve tous les soirs à 19h20 dans Demain nous appartient, aux côtés de toute la bande. Mais évidemment, on embrasse Pierre Denis qui était notre invité il y a quelques temps, évidemment. Et puis vos filles, mais surtout l'une qui reste maintenant, oui. Jusqu'à ce qu'il y en ait une troisième qui arrive cachée, parce que exactement. On n'est pas à l'abri. Il va bien falloir qu'il y ait une découvrir vie cachée quelque part. Marianne Delcourt a eu une troisième fille cachée quelque part. Je remercie évidemment les équipes de New One qui nous ont permis de faire cette émission, et notamment Judith qui est là-bas. Oui, je vais faire comme dans les films. Si ce nom vous rappelle quelque chose, ce n'est le fruit que de pure coïncidence et de ressemblance, qui n'a rien à voir avec la réalité. Merci. Mais merci à Judith qui nous a permis tout au long de cette année de faire venir les équipes de Plus Belle, de DNA, de ITC. Et on va évidemment continuer l'année prochaine. Mais voilà, les gens dans les productions, le service de presse sont aussi importants. Il faut, pour faire venir les invités, on a besoin d'eux et c'est toujours important de les avoir. Merci aussi à toutes les deux d'être venues. Il nous reste quelques numéros avant
avant la fin, mais on se dirige vers la fin de cette saison. On se retrouvera à la rentrée. On reverra donc Judith dans les coulisses pour notre plus grand plaisir. Merci. Et là, elle me déteste à l'idée que je n'arrête pas de la mentionner, qu'on la regarde en direction du studio. Et je sais que je vais passer un sale quart d'heure dans 5 minutes. Merci à Rob qui était à la réalisation. Et merci à tous de nous suivre chaque semaine dans la loi des séries. Merci à toutes d'avoir été avec nous. Merci. À très vite.